Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout du loisir créatif, ça n'a rien à voir. Vous avez vu sur. Beaucoup de personnes d'ailleurs ont vu sur mon YouTube en fait HelloFresh et ils voulaient donc vraiment savoir ce que c'était. Donc j'ai reçu mon deuxième colis aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Donc j'ai mon chéri qui est à côté de moi qui va m'aider. Voilà, alors je l'ai reçu aujourd'hui, donc ce sont des produits frais, donc on va se dépêcher pour faire l'unboxing. Ça se présente donc comme ça dans le colis. Voilà, j'ai déjà une enveloppe avec dedans les menus, les recettes. Je vais l'ouvrir. Donc nous avons en fait les recettes qui sont proposées à chaque fois et franchement c'est super bien expliqué, toute l'explication est dessus. Donc là j'ai par exemple pour cette semaine saumon en papillote et pistou maison, steak haché et sauce camembert. Le troisième c'est cuisse de poulet et légumes à la grecque. Le quatrième c'est fish and chips au lieu de lieu noir. Et le cinquième c'est linguine, comment on dit ça? Linguine et duo de tomates. Voilà, ce sont donc les recettes qui sont proposées. Hop, un peu de pub. Voilà. Donc, franchement, c'est hyper facile à réaliser. Alors, je vous montre un peu comment c'est présenté. Chaque recette est présentée dans un sachet, comme ça. Et vous avez à l'intérieur tous les ingrédients. Par exemple, ça, c'est un menu rouge. Alors, ça, c'est quoi comme recette? Alors, ça, je pense que c'est certainement. Je vois qu'il y a. Du poulet. Alors le poulet, c'était cuisse de poulet et légumes à la grecque. Voilà. Donc cuisse de poulet et légumes à la grecque. Donc on vous met ici en fait tous les ingrédients que vous avez dans le sachet. Alors je vous montre. J'ai un oignon rouge. C'est là. J'ai un concombre. Et franchement les produits sont propres, hein. Vraiment nickel. J'ai un poivron. Qui se trouve là, ici. J'ai du yaourt à la grecque également et j'ai les cuisses de poulet. J'ai les cuisses de poulet, enfin bref, qui sont dedans. Enfin, j'ai pas tout vous sortir hein, parce que hop, les cuisses de poulet sont dedans. Enfin, tout est bien présenté. Donc chaque sac correspond à une recette. Donc j'en ai 5. Il faut savoir que là, c'est la deuxième commande. Donc on a payé, je crois, 66 euros pour 5 recettes pour 4 personnes. On a fait le calcul, ça revient à 3,30 € par personne. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, la première fois que vous commandez, j'en avais eu pour 5 recettes pour 4 personnes pour 56 euros, je crois. Évidemment, là, j'avais eu 25 euros de réduction. Donc voilà, donc c'est HelloFresh. Alors, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Vous leur posez des questions, ils répondent assez facilement. Ils ont une application, en fait. Et donc, vous pouvez choisir donc, les menus sur l'application HelloFresh. Donc voilà, donc j'en ai 5. Franchement, c'est vraiment bien fait, bien présenté. Là par exemple, je ne sais pas ce que c'est, mais alors j'ai des pommes de terre, une quantité de pommes de terre, c'est quoi ça? C'est quoi que. Ah bah ça c'est d'être les steaks hachés au camembert. Ouais, j'ai des pommes de terre grenaille dans mon truc. J'ai les steaks hachés, c'est même les steaks hachés, je pense qu'il faut que je les fasse, ou c'est un steak haché peut-être qu'il faut faire, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, j'ai par exemple, il faut deux échalotes, une échalote, pardon, j'en ai qu'une. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de perte. Il faut savoir aussi que là, j'ai pris pour 4 personnes. Mais dessus, en fait, vous pouvez manger à 6 dessus facilement. Il y a toujours des restes. Donc voilà, c'était donc pour vous présenter HelloFresh, comme on l'avait demandé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit et portez-vous bien. Bye bye. Oh coucou, j'ai oublié de vous dire quelque chose en fait dans les recettes. Que vous avez, donc il y a, comme je vous expliquais tout à l'heure, les ingrédients, mais par contre, vous avez vous à rajouter quelques ingrédients. Alors, les ingrédients que vous avez à rajouter, tout est noté derrière, mais c'est pas grand chose, c'est du sel, du poivre, de l'huile,
Par exemple, pour celui-ci qu'on va faire ce soir, donc ce soir, on va faire le steak haché sauce camembert. Il faut rajouter de l'huile d'olive, de la moutarde, du vinaigre balsamique, sel, poivre. Voilà, c'est quand même des produits que vous avez en fait chez vous, quoi. Voilà, cette fois-ci, je m'en vais. Allez, bye bye!